Bonsoir à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour cette 22e émission des vidéastes du Passion Autosport du Var. Comme tous les soirs depuis 22 jours en ces temps de confinement, il est 18h, santé à tous et je vais m'en servir une petite lampée parce qu'il y a beaucoup à dire encore ce soir. Il est bien frais, c'est génial. Bon, vous avez vu, hier soir, on a eu une émission extraordinaire, de belles présentations et puis le témoignage aussi de notre ami François Alain que tout le monde connaît dans Vintage Mécanique et plein d'autres émissions, c'était extraordinaire. Ce soir, avant de vous présenter nos invités, on va encore avoir un petit témoignage et c'est un petit témoignage de ma petite star à moi, donc ma petite star qui s'appelle Laura. Et Laura, donc déjà je vous mettrai en lien sa chaîne YouTube dans laquelle elle réalise beaucoup de road trip sur l'automobile et elle fait ça super bien et franchement Laura continue parce que c'est extraordinaire ce que tu fais, moi j'adore. Et puis Laura aussi c'est les personnes de l'ombre, je vais appeler ça, donc c'est les personnes en fait qui travaillent pour des chaînes de télévision comme Turbo, comme Direct 8 et c'est toutes ces émissions que vous regardez vous à la télé et qui vous font passer un super moment. Et ben Laura elle fait partie de ces gens qui sont derrière et qui font du montage vidéo, qui sont là pour vous faire apprécier justement ces moments de pur bonheur pour nous passionnés de l'automobile. Donc Laura, voilà, elle fait partie de ces gens-là qu'il faut mettre aussi en valeur parce qu'on voit souvent les présentateurs, mais derrière, il y a une équipe technique. Et Laura, gros bisous. Donc elle nous adresse un petit message ce soir à Passion Autosport du Var et je l'en remercie. Sans plus attendre, je vous présente donc ma petite Laura. Coucou Mathieu, coucou tous les passionnés autosport du Var. J'espère qu'en ces temps un peu perturbés, tout le monde se porte très bien. Et pour commencer cette petite vidéo, j'ai une chose à dire. Et cette chose, c'est d'abord pour Mathieu. Merci Mathieu pour ton émission. Et merci à tous les passionnés de regarder cette émission parce que franchement, je trouve que ça fait du bien tous les jours d'avoir un petit reportage avec vous qui présentez vos voitures. Je sais pas, j'ai pas vraiment les mots pour dire à quel point ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pourquoi? Parce qu'en fait je travaille sur des émissions automobiles. Je fais partie un peu de ces personnes de l'ombre qui structurent les sujets d'automoto, direct auto, turbo, tout ça. Et j'adore évidemment les bagnoles et j'adore les personnes qui s'occupent de ces bagnoles et tous ces propriétaires passionnés. Je trouve que, enfin je sais pas, tant d'amour pour ces voitures, moi ça me fait du bien, j'aime bien et je me dis que en ce moment de l'amour pour vos voitures vous pouvez en donner tout plein et ça se voit à travers vos vidéos et ça se voit à travers l'émission de Mathieu et continuez comme ça. Continuez comme ça parce que franchement c'est top. Merci beaucoup. Et puis j'espère que vous bichonnez bien vos voitures parce que les beaux jours arrivent et si tout se passe bien, peut-être qu'on pourra de nouveau retourner faire de belles balades, qu'on pourra de nouveau retourner sur les routes. Moi j'ai moi-même ma petite voiture alors qui n'est pas aussi sympa que celle que vous présentez à chaque fois, hein, c'est une Golf tout ce qu'il y a de plus récent mais elle m'accompagne sur tous mes road trips et je peux pas m'en passer et c'est vraiment un partenaire de voyage, c'est un partenaire de vie et voilà. Donc je vous la présenterai pas parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais en tout cas, continuez de faire ces vidéos-là, continuez d'aimer vos voitures, continuez d'en prendre soin, et Mathieu, merci, continue de faire cette émission. Merci beaucoup Malvra, plein de bisous, elle est en Haute-Savoie en ce moment, et j'espère te voir bientôt, et on a peut-être un petit projet ensemble, mais on dit rien. Donc je vous mets son petit lien de la chaîne YouTube qu'elle gère parce que ça vaut le coup ces petits road trips. Donc je vais le mettre par là ou non, je vais le mettre là. Tiens, regardez, hop, direct. Ça vous va? Allez, impeccable. Bisous Malora. Allez, on va passer à nos invités aujourd'hui. Donc on va aller voir un pote, donc qui s'appelle Jérémy. Jérémy, il est actuellement à Los Angeles. Donc Passion Autosport du Var, c'est celui aux States aussi. Donc Jérémy, à la base, c'est un passionné de la Simca. Il est de Toulouse, originaire de Toulouse, et il a voulu vivre un peu le rêve américain. Donc il a rejoint, il y a un peu plus d'un an et demi, si je ne dis pas de bêtises, ses trois collègues, donc Alex et Charlie. Et tous les trois, ils créent un trio de choc avec le garage SoCal Frenchies.
Et vous allez voir, donc c'est des passionnés de bagnoles, c'est des passionnés de V8, ça glouglouse dans tous les sens. Et puis ben, je vous invite à découvrir leur page Facebook parce que ben, tous les soirs, je crois les vendredis, ils font des lives et ils montrent un peu des restaurations, des trucs comme ça. Et puis franchement, c'est des vrais passionnés, il n'y a pas de business, voilà, la passion avant tout. Donc ils importent des voitures en France, mais je peux vous dire que c'est vraiment une superbe équipe. Donc on le sait, là-bas, ben, le V8, c'est devenu une tradition. Et donc Jérémy, nous fait voyager ce soir en Californie, donc la bise mon poteau. Et puis voilà, c'est un grand plaisir d'avoir eu ta vidéo. Et je vous mettrai une petite photo du trio, vous allez voir, c'est excellent. Alors ensuite, on va aller voir Simon. Simon, il a 19 ans. Et Simon, bah, c'est un passionné de la Ford Fiesta. Donc il possède une petite Ford Fiesta de 1987. Et il est très touchant dans sa vidéo. Déjà, il a fait une vidéo de très bonne qualité. Et on sent vraiment à 19 ans la passion automobile. C'est sa voiture, comme il explique, il est étudiant, donc il s'est acheté cette voiture, il a bricolé dessus, il a appris de la mécanique dessus. Et ça, c'est des vidéos que j'adore parce qu'à 19 ans, être passionné comme tu es, Simon, eh ben, je l'ai été moi aussi. Je n'ai pas touché la mécanique comme toi, mais en tout cas, ta vidéo, elle est excellente et je suis vraiment fier de la faire partager ce soir à ceux qui nous suivent dans Passion Autosport du Var. Voilà, et Simon, il nous vient de la Charente. Voilà pour Simon. Ensuite, on va aller voir Olivier du Lot. Alors Olivier, ben, c'est le fou furieux de la Renault 5 GT Turbo, mais on le reverra aussi dans une autre vidéo. Je vous en dis pas plus, il nous présente une voiture en cours de restauration. Mais en tout cas, là, ce soir, il nous présente un très beau Renault 5 GT Turbo. Et puis, ben, j'ai communiqué pas mal avec Olivier. Et donc, Olivier, tu sais que si je viens dans le Lot, c'est avec plaisir que je répondrai à ton invitation et faire découvrir ton club, les associations qu'il y a là-bas. Et puis, faire un beau tournage vidéo. Donc, compte sur moi. En fait, si j'écoute tout le monde, je vais aller partout en France bientôt. C'est génial, j'adore. Bon, merci Olivier. La bise, mon poteau. Et on va finir avec Jonathan Dugard. Alors là, Jonathan, il va nous montrer une voiture. Alors montez bien le son parce que Jonathan, il parle pas très fort dans la vidéo. Et Jonathan, il a un projet de restauration d'une berlinette. Donc, il a eu la chance de pouvoir acheter une berlinette. Cette berlinette, si elle avait une voix, si elle avait plein de choses comme ça, elle aurait beaucoup à dire. Je pense qu'elle elle nous parlerait pendant des heures. Il y a du passé, il y a du vécu. Donc, je pense que Jonathan va nous faire un projet de dingue sur cette berlinette. Et donc, on va voir une berlinette qui est vraiment en cours de restauration. Elle est presque à poil pour parler poliment. Et il bosse comme un dingue dessus. Il a eu cette voiture quasiment en pièces détachées. Et donc, il a retrouvé un peu des pièces. Et là, je pense que le projet va avancer pleinement. Donc, Jonathan, merci à toi pour cette vidéo de cette magnifique berlinette. Et c'est un grand plaisir de vous la présenter aussi. Je crois que je vous ai fait le tour de tout ça. Si j'ai rien oublié, il y a beaucoup à dire en ce moment. Ouh. Allez, je vous laisse visionner et puis moi je vais boire un coup parce que là, je sens le gosier qui gratouille un peu. Allez, à tout à l'heure. Avant de partir, en ce moment, il y a un clébard qui prend souvent ma place. Je vous laisse mon verre de rosé, le temps que j'aille visionner la vidéo avec vous. Si le chien revient, vous me prévenez parce qu'il est en train de se siffler et me prendre toute ma réserve. Donc ça, ça va plus. Allez, bon visionnage. Mathieu et Passion Autosport du Var, bonjour. Donc, ben moi je m'appelle Jérémy. Ben voilà, donc il nous reste encore un mois de confinement. Je vais essayer de faire assez vite. Je vais vous faire visiter le garage de Socal Franchise. On est basé en Californie, à Los Angeles. On restaure des américaines, essentiellement des américaines. Et on les envoie, on les prépare pour le contrôle technique français. Et on les envoie en France. Voilà. C'est un programme un peu voiture clé en main. Donc je vais vous faire faire un peu le tour du propriétaire. Donc voilà, donc c'est un garage qui fait 1000 mètres carrés. Donc ben voilà, comme je vous l'ai dit, essentiellement des américaines. Je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure qu'on marche un peu notre programme. Donc ben en fait j'ai eu la chance d'intégrer le groupe de deux Français installés là depuis 5 ans. Ils étaient passionnés de voitures et ils faisaient des allers-retours entre la France et les États-Unis. Ils venaient chercher des autos une ou deux fois par an, ils les restauraient et puis ils revenaient en France et puis un jour ils ont dit bon ben
pourquoi pas partir directement là-bas et les envoyer depuis les États-Unis. Donc, c'est ce qu'ils ont fait il y a 5 ans. Et moi, j'ai eu la chance de les rejoindre l'année dernière. Donc, voilà, on restaure des voitures. On se fait plaisir, on est passionnés. Et puis, je veux dire, on profite du soleil californien. Donc, c'est un grand garage. On a 1000 mètres carrés. On a 5 ponts. Donc ça, la voiture d'un des deux SoCal franchise, donc il fait du drift. Donc c'est une BMW 36 avec une boîte à crabeaux, une boîte de NASCAR, 4 rapports, avec c'est un V8 Chevrolet dedans, ça fait 450 chevaux. Une Crown Victoria de police qui est en révision, des pick-up, voilà, posé avec les jantes en 22. Voilà, de belles autos. Donc nous, on fonctionne. Vous prenez contact avec SoCal Franchise via Facebook ou Instagram et vous nous donnez votre cahier des charges, votre budget, la voiture de vos rêves. Et puis nous, on fait notre maximum pour essayer de trouver la perle rare. Et puis après, on la prépare en vue du contrôle technique. Donc voilà, on change. En règle générale, tout ce qui est train roulant, freinage, les rotules, suspension, on vérifie. Il y a 100 points de contrôle, donc on vérifie un peu tout. Et puis après, si le propriétaire veut faire plus, quoi, s'il faut changer l'intérieur, si les jantes, s'il faut changer les planchers, si le monsieur il veut refaire une peinture, on fait des projets complets. C'est SoCal Franchise. C'est une entreprise qui marche assez bien. Hein. Je veux dire, les Français sont passionnés. Ils aiment l'américaine. Donc essentiellement la Mustang qui plaît beaucoup. Nous ça nous permet de vivre notre passion ici. Des projets comme celle-ci, ça va être une réplique de la boulite du film avec Steve McQueen. Elle est verte là où il saute dans les rues de San Francisco. Voilà, donc c'est un projet complet. Donc à finir un peu la carrosserie, elle va partir en cabine. Voilà, le moteur qui est en attente. Voilà, donc c'est pour ceux qui suivent un peu l'actualité automobile, c'est les deux autos qui ont été gagnées à Automoto la semaine dernière, le Bronco et la Dodge Challenger. Voilà, le Bronco, j'ai vu qu'il partait à Toulouse, ma ville de cœur, et la Challenger, voilà, le monsieur en, je crois que c'est Seine-Maritime, il me semble. Voilà, une belle Cougar, belle fastback, l'original du film Vanilla Sky avec Tom Cruise, Cameron Diaz et Penelope Cruz. Voilà, c'est la vraie conduite par Tom Cruise dans le film. Voilà, des Mustangs, beaucoup de Mustangs. Donc là, ici, toutes les autos sont vendues. Elles vont toutes partir en France. Après la révision, là, il y en a quelques-unes qui sont sur le départ. Elles vont partir dans les containers. Et donc voilà, c'est une bonne idée, Mathieu, que tu as eu de faire à tous ceux qui te suivent un tour de garage. Ça nous permet de voir de belles voitures. J'ai vu depuis ces plusieurs semaines de belles voitures dans les garages en France. Donc ça te permet de connaître SoCal Franchise. En Californie, à Los Angeles. Voilà. Vous pouvez nous rejoindre. On fait des lives toutes les semaines, les vendredis, aux alentours de 19h. Vous faites l'apéro, vous regardez nos lives. On fait voir l'avancée des travaux sur chaque voiture pour que les propriétaires voient un peu ce qu'on a fait durant la semaine sur leur voiture. Et puis voilà. Bonne fin de confinement à tous. Longue vie à Passion Autosport du Var. Merci à toi, Mathieu. Et puis à bientôt. Salut!
Je m'appelle Simon, j'ai 19 ans, j'habite en Charente et je vais vous présenter ma Ford Fiesta C1 litre 1 de 1987 qui s'avère être ma toute première voiture. Au niveau de la carrosserie, la peinture est à 99% d'origine, sauf en un seul point, et c'est le coin avant gauche. Il y avait eu un petit choc dans le trafic par le précédent propriétaire, et lorsqu'il me l'a vendue, elle avait eu quelques petits chocs et un point de rouille ici. Donc elle a dû être emmenée chez un carrossier pour être remise en place et pour une toute petite partie de peinture ici. Le reste est 100% d'origine, n'est pas parfait, mais présente très bien quand même pour 33 ans. Vous l'aurez probablement remarqué, la voiture n'est pas 100% d'origine. On peut voir directement qu'elle est rabaissée avec des ressorts courts et elle possède aussi des jantes Pepper Pot que l'on pouvait retrouver sur certaines versions de la Fiesta, notamment la très célèbre XR2. Celles-ci proviennent d'une Ford Capri, une marque 3, et sont équipées en pneus 175. De base, cette voiture est équipée en pneus 135. La tenue de route n'était pas franchement exceptionnelle. J'ai sorti les roues et les pneus d'origine et je les ai positionnés côte à côte avec celles que je possède maintenant. Et on voit bien que la largeur est bien plus conséquente sur les nouveaux, mais ça ne surprend personne. Mais aussi que les nouveaux possèdent des pneus taille basse, ce qui améliore énormément la tenue de route et ajoute un style un peu plus sympathique à mon avis. Une autre entrave à l'origine qui ne vous aura probablement pas échappé et qui, à mon avis, ajoute un certain style à la voiture, c'est l'installation de ces longues portées, des CB Oscar. Aujourd'hui, ils ne sont reliés à rien, malheureusement. Il n'y a aucun câble, il y a seulement une ampoule à l'intérieur de chaque et un interrupteur sur le tableau de bord, mais qui ne sont malheureusement pas reliés, simplement parce que je suis une bille en électricité et que j'avais demandé à faire l'installation par quelqu'un de compétent. Malheureusement, le confinement qu'on connaît tous en aura décidé autrement. Comme cette voiture est censée me servir tous les jours, en tout cas avant le confinement, il se devait qu'elle ait certains aspects pratiques. On peut commencer par le coffre, qui, pour un modèle de cette envergure, est tout de même assez raisonnable. Il a un double fond avec une roue de secours et quelques outils pour changer les roues en dessous. Et ici, on peut retrouver le dossier avec beaucoup de paperasse depuis 1987. Bon, par exemple, ce livret publicitaire d'époque, j'imagine. Avec, si l'on regarde bien, à une certaine page, le modèle en particulier que j'ai, c'est-à-dire une Super Festival. Avec ici, probablement écrit par le concessionnaire de l'époque, le prix final, c'est-à-dire 47 000. En ce qui concerne les places arrière, on y accède toujours par les portes avant car il n'y avait qu'une version de 3 portes disponibles. Avec ce petit levier, on fait basculer le siège avant et l'on peut accéder à la banquette arrière. Il faut savoir que ce véhicule est une 5 places sur la carte grise. Malheureusement, la personne du milieu sera très très peu à l'aise et n'aura pas de ceinture de sécurité. J'utilise donc très peu cette voiture pour des voyages à plus de 4. Pour finir sur l'aspect extérieur de la voiture, on peut remarquer qu'elle est équipée aux quatre coins de bavettes Ford d'origine. Si elles étaient sur cette voiture en particulier lorsqu'elle est sortie de l'usine, je ne crois pas. Mais en tout cas, elles y étaient quand je l'ai achetée et ce sont des vraies d'origine Ford. On pourra aussi remarquer le sticker de vitre arrière qui n'est toujours pas d'origine. C'est moi qui l'ai installé il y a quelques mois. Mais je trouve que ça lui donne un style d'époque assez sympa. Et enfin, pour finir, mon nom, des stickers rallye que j'ai installés pour faire un rallye touristique que j'avais prévu d'enlever après, mais je n'y ai jamais pensé et je trouve que d'ailleurs ça ne lui est pas si mal que ça. Nous allons pouvoir passer à l'intérieur du véhicule. Il faut savoir que cette version est une version assez basique et que l'intérieur est donc assez spartiate. On peut retrouver le tableau de bord assez basique, sans contour, sans économètre. Quelques petits boutons ici pour le chauffe-vitre arrière qui était une option à l'époque, ainsi que l'essuie-glace et le lave-glace arrière. Ici, on peut retrouver l'interrupteur dont j'ai parlé tout à l'heure pour les antibrouillards qui n'est évidemment relié à rien. Ici, les contrôles de ventilation. Ce véhicule ne possède pas la clim, seulement une ventilation avec température extérieure ou température chaude.
et ne possède pas d'allume-cigare car c'est une version toujours assez basique. Pour conclure, on va évidemment démarrer le moteur. Il s'agit d'un 1117 cm3 de 54 chevaux sur cette Fiesta. C'est déjà un moteur de conception très ancienne, même à la sortie de la Fiesta. C'est donc un moteur assez rudimentaire, mais il se trouve qu'il est très solide, donc c'est toujours un avantage. Un petit peu de starter, pas trop parce qu'il fait assez chaud quand même, et c'est parti. On pourra entendre un petit bruit de crécelle, pas d'inquiétude, c'est normal, c'est assez typique de ces moteurs Kent Valencia de chez Ford. Je vais terminer cette présentation à l'intérieur, qui est déjà largement assez longue, voire trop, je pense. Mais tout ça pour conclure, il faut savoir que cette voiture, j'y tiens énormément. Parce qu'en fait, en tant que jeune étudiant, c'est plus ou moins la seule chose que j'ai. C'est-à-dire que c'est la seule chose que je possède réellement, que j'ai payé avec mon propre argent, que j'ai gagné à la sueur de mon front. Et c'est vraiment la seule chose que je possède vraiment, qui n'appartient pas à mes parents en fait en tant que tel. Donc vraiment cette voiture, j'y suis attaché à une chose folle. Et depuis que je l'ai, elle a eu pas mal de boulot quand même. Elle m'a permis de me former en mécanique, que ce soit au niveau moteur, que ce soit au niveau châssis. Et vraiment, je ne me suis jamais autant amusé au volant d'une voiture que dans celle-ci. Comme quoi les choses les plus simples sont les meilleures. Franchement, j'adore cette voiture. Et pour conclure, si vous êtes jeune comme moi et que vous ne savez pas si vous devez vous lancer dans ce genre d'aventure avec une ancienne, franchement, foncez, c'est génial. Ce sera mon moteur. Bon, je suis désolé de vous couper en pleine émission. Il y a encore Monsieur Paioli qui nous fait des siennes. Il y en a plein le huc pour parler poliment, donc je vais aller voir ce qui se passe parce que là, ça commence à me gonfler. Donc, il soupçonne quelqu'un de passion Autosport du Var de l'avoir renversé depuis plusieurs jours. Il y en a marre, il y en a marre. Putain de cul ! Oh putain de cul, quoi ! Oh putain ! Putain, mon... Oh, mais c'est encore fou ! C'est encore passé aux Autosport du Var, mais... Ça fait deux vélos, les gars, deux... Vous me poursuivez, hein, vous me poursuivez. D'ailleurs, François Alain, là, le VIP, là, l'ancien centre, là, qui devait être avec Drucker. Avec sa GS, là. C'est sûr que lui, c'est pareil, il doit être bien payé, Mathieu, t'as dû sur 5 chétiers, là. Putain, mon vélo, putain, merde, merde, merde. Allez, c'est bon, problème résolu. Ça, c'est vraiment des trucs, ça me gave. Encore un cassos. C'est bon, je suis désolé les loups de Passion Autosport du Var, on peut reprendre l'émission tranquillement. Bonjour Mathieu, bonjour à tous, bonjour Autosport Passion du Var. Je vais vous faire un reportage sur mon GT Turbo. Je suis du 46 dans le Lot. Voilà, nous avons aussi de beaux GT Turbo dans le Lot. Allez, je vais vous faire une petite vue du véhicule extérieurement, pour commencer, avec une couleur bleu iceberg, avec des jantes de Clio Williams dessus, refaites en 2019. La peinture est de 2015. Dessus, il y a une calandre phase 1. C'est un GT turbo phase 1, mais reconditionné en phase 2. Avec dessus une déco, on va dire, comme à l'origine.
on y a mis le petit logo comme à l'ancienne. Le moteur est un moteur phase 2, refait en 2019, avec changement du vilebrequin, bielle, piston, turbo, turbo neuf, un montage coupe pour faire les montées historiques, avoir de la watt en bas avec une dumb valve, un beau radiateur avec un spal pour bien refroidir tout ça, un échangeur en alu, des belles durites par mon fournisseur Jet Autosport à Nice, que je remercie fortement pour tout ce qu'il fait pour moi, pour mon véhicule. Maintenant, je vais vous faire un visu intérieurement. Avec un intérieur assez propre. Dedans, j'ai deux baquets, car les sièges d'origine étaient très abîmés. Une banquette arrière, phase 2. Le petit volant piloté, c'est bien la configuration de la voiture. Le petit pommeau Sparco, le petit manomètre pression turbo. Petit avion, apparemment. Voilà. Dessus, on y a monté la ligne groupe N. Avec flexible, comme vous pouvez voir, devant, derrière, aviation. La sortie de ville trompette. Voilà, maintenant je vais vous faire une petite mise en marche de la voiture pour vous faire écouter un petit peu le bruit de la ligne et du moteur. Tout ça est en rodage. 1000 km, moteur neuf actuellement. Et puis voilà, on va démarrer le véhicule. Voilà, pression d'huile, tout est nickel. Alors, je vais vous faire sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Et je remercie encore Autosport Passion du Var, Mathieu. Voilà, une vidéo du 46 dans le Lot. Merci, bonne soirée à tous. Bonsoir à tous, donc je me présente Jonathan Dugard. Donc je vais vous présenter la voiture. Donc vous l'aurez reconnu, c'est une berlinette. Donc le modèle
Une V85 de 1975. Donc avec son joli moteur de Renault 12 TS, sans aucune modification. Donc ça doit bien sortir à soi-disant 68 chevaux, ça reste à démontrer. Donc voilà, donc c'est une voiture que j'ai depuis 11 ans maintenant, presque. Et donc quand je l'ai achetée, elle n'était pas du tout comme ça. Donc tout ce qui est noir, là, donc, vous voyez toute la partie avant qui est mastiquée, ça a été changé, de même que l'arrière. Parce que quand je l'ai achetée, elle était montée en groupe 4. Avec des ailes bulles, on va dire. Donc, c'est une voiture qui a couru en groupe F. Et donc, elle a couru en Guyane et aussi peut-être en Guadeloupe. Donc, quand je l'ai acheté, il y avait ça devant. Donc, le radiateur à l'avant. Et voilà, donc avec des belles ailes bulles. Là, en restant, on voit. Mais donc, bon, elle a souffert, elle aurait tapé. On voit que c'est tout abîmé, tout choucrouté. Le fond du coffre, il fait plus d'un centimètre d'épaisseur. C'était une voiture de course, quoi. Comme à une époque, ça valait plus trop grand chose. C'était un peu malmené, on se fichait un peu du reste. Donc là, on voit un truc intéressant, c'est la peinture. Donc, ce qui est rose, c'est après, au-dessus du gel coat. Donc on voit du rose, du blanc, donc le blanc c'est la peinture d'origine, après quelqu'un qui a peint en bleu, ensuite elle a été peinte en, peut-être repeinte en bleu, on voit en rouge, il y a du jaune, elle était jaune aussi, on voit bien là. Enfin bon, elle a subi comme on dit. Donc voilà, donc moi au départ je suis plus fan de ce genre de choses là, voiture d'avant-guerre. Mais bon, en fait je suis tombé sur le forum auto, sur un sujet de Jimmy, certains vous devez le connaître parce qu'il est passé sur Autosport du Var, bien sûr, passion Autosport du Var. Et voilà, donc je suis tombé sur son sujet, j'ai dévoré. Et voilà, je suis tombé amoureux de la voiture. Donc bon, je me suis dit tiens, je vais voir ce que ça vaut. J'ai vu les prix, je vais. Mon dieu, j'ai pas les moyens. Donc j'ai posté une annonce sur le forum, forum Alpine, sur le phare. Et quelqu'un m'a répondu en me disant voilà, j'ai une voiture à vendre. Donc j'ai dit bon, allez, on va aller voir ce que ça donne. Donc ça a donné. 1400 km aller-retour dans la journée pour voilà pour aller la voir. Donc le soir je devais pas être très frais parce que bon, j'ai dit oh, c'est bon je la prends. Donc énormément de travail sur la coque, était vraiment massacré. Du fait des ailes bulles, c'était tout fissu, il y avait un côté qui était fissuré. En enlevant les ailes, il y a un côté qui pendouille par terre. Donc là c'est sûr à la meilleure mine, même s'il y a certains détails qui ne me plaisent pas, je suis un peu peut-être tatillon ou casse-pied comme j'en ai. Après c'est pour moi aussi, c'est le rendu qui fait plaisir. Donc là je vous montre quelque chose de simple, donc quand je l'ai récupéré, il y avait une surépaisseur de polyester à cet endroit-là. Donc pour attraper le galbe de l'aile, enfin de l'origine, comme vous voyez ce qui est rose c'est l'origine. J'ai poncé, donc quand j'ai poncé, bah effectivement, l'aile elle est bien alignée au reste, mais enfin, il y a un trou, donc il faut boucher le trou. Donc ça fait partie des joies de la restauration. Donc voilà, quand je l'ai acheté, il manquait, on va dire, 80% des pièces. Il y avait les roues, les lunettes arrière, les chromes, les joncs des phares à l'avant, et des petites choses, et donc au fur et à mesure, là, eh bien, il faut lui trouver des pièces, donc là, il a presque tout. Je pense qu'il y a maintenant plus sur 80-85% des pièces. Bon, il manque peut-être de faire un faisceau électrique, vu qu'il n'y en avait pas du tout, absolument pas. Donc voilà. Voilà l'auto. Donc, j'espère que ça vous a plu. Hein. Moi, je suis friand aussi de ce genre de vidéos, donc
qui me dit ne soyons pas égoïstes, faisons profiter tout le monde de ça quoi. Donc voilà, bon. Merci à tous, bon visionnage. Salut les nazes, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il vous a pas dit que j'étais en train de picoler son verre de rosé, ce couillon. Bon bah c'était une belle émission encore. Je me suis régalé. Et puis Laura, t'es là ou quoi? Si t'as de la croquette, je peux venir en Haute-Savoie et je te ferai du montage vidéo. C'est avec plaisir, hein. Tu sais que moi, en plus, quand c'est des jolies filles, j'adore, je kiffe. Ouf, ouf. Bon, allez, bon les nazes, je vous laisse, sinon l'autre bouffon encore, il va croire que j'ai tout picolé. Et puis, il va dire que je prends toujours sa place. Allez, bon, bah, je vous dis à demain. Bisous à tous, ciao.